Bonjour, je suis Alban Corbier-Labasse, directeur de l'Institut français de Casablanca. Nous sommes très heureux de présenter, en partenariat avec la Loft Gallery et la Fondation Abderrahmane Slaoui, la rétrospective de Hicham Bennaoud, 25 ans de photographie. C'est une exposition qui a été produite en partie par l'Institut français, en partenariat avec la Loft Gallery, avec l'Atelier 21, avec Culture Interface. Plusieurs opérateurs culturels se sont investis dans le soutien au travail d'Hicham Bennaoud. Hicham Bennaoud, qui pour moi est plus qu'un photographe, qui est un véritable artiste à part entière. Effectivement, le médium photographique est celui qu'il utilise le plus dans son travail, mais pour mieux le détourner et l'utiliser à des fins de poésie, d'imagination, un travail toujours empreint d'une forme de surréalisme et de poésie. Voilà. Donc, moi, c'est un artiste qu'on aime beaucoup à l'Institut, et cette exposition va tourner dans une dizaine de villes du Royaume. Elle a déjà été présente à la Biennale de Marrakech et à Rabat, et elle va continuer à tourner dans le Royaume pendant toute une année. La scène photographique est quand même extrêmement dynamique. Nous accompagnons à l'Institut essentiellement les jeunes artistes. Nous félicitons aussi un certain nombre de fondations qui font un travail remarquable dans le soutien à la jeune photographie. Je pense notamment au programme de la Chambre Claire, de la Fondation Alliance, qui permet d'accompagner beaucoup la jeune photographie. Je note aussi le travail de Nathalie Locatelli à Galerie 127 à Marrakech, qui fait un travail formidable de promotion de la photographie marocaine et au Maroc. Et moi, je suis très intéressé par tout ce qui se passe sur cette scène-là. Aujourd'hui, les moyens techniques sont de moins en moins un obstacle pour permettre aux jeunes créateurs de travailler, de réaliser des choses finalement qu'on n'aurait pas pu faire il y a 20 ou 25 ans. La technologie pour ça a beaucoup accompagné, mais la technologie ne suffit pas. Il y a aujourd'hui une scène, je trouve, au Maroc qui est vraiment passionnante, qui s'exporte de plus en plus, et nous sommes très heureux de pouvoir l'accompagner.